Nice, promenade des Anglais. 3 semaines de carnaval viennent de se terminer. Avant que les équipes de nettoyage investissent les rues pour ramasser les confettis et mettre fin à la fête, l'organisation du carnaval aura nécessité de longs mois de travail. Derrière cette tâche se cachent les hommes et les femmes de l'ombre. En véritables passionnés, ils transmettent leur savoir de génération en génération et n'hésitent pas à tout sacrifier pour ce moment unique. Deux mois et demi plus tôt, dans la maison du carnaval, une sorte de grand hangar où se pressent autour des familles de carnavaliers, qui de père en fils se transmettent leur savoir-faire, des dizaines d'hommes et de femmes. Ils vont créer des personnages ubuesques à la plus grande joie des futurs spectateurs. Une fois qu'il sera moulé, oui, il va être détruit. Il va tout détruit. C'est fait complètement, absolument. C'est le carnaval. Jean-Pierre est l'aîné de la famille Povigna. Il surprend par son originalité et sa créativité. Et là-bas, Gilles, et là-bas. Vous êtes embêtants tous les deux. Oh là là. Alors vous faites partie d'une famille qui a toujours fait le carnaval. Ah ouais, ouais. De tout le temps, mon grand-père, mon père, mon oncle, moi. J'ai mes deux enfants maintenant. Et j'ai des petits-enfants. J'espère qu'ils le feront aussi, même en part à la passion. Hein. Même s'ils ont notre travail, mais venir aider leurs parents, ils viendront. Ils aiment parce qu'ils viennent de temps en temps. Ils ont déjà, c'est des petites mains, comme on dit, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait combien de temps que vous faites du carnaval ? Oh, c'est pas de hier, hein, c'est d'avant-hier. ça fait minimum 55 ans. J'ai 63 ans, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, aider mon pauvre père, alors vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Plus de 30 ans que je fais carnaval. Plus de 30 ans. Que je suis carnavalier. Et combien vous avez fait de carnaval ? Oh, pour, on ne peut pas le compter. J'ai pas assez de mains, de pieds et d'idées. Je me rappelle pas, j'en ai trop fait. Ah, ça fait au moins ici 55, après tout ce que j'ai fait dehors. J'en ai fait. Hein. Le carnaval de Nice est beaucoup plus ancien qu'on le croit. Il apparaît au Moyen-Âge en 1294, quand le comte de Provence vient rendre visite à sa bonne ville de Nice. Et du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, le carnaval se déroule à nos pieds dans la vieille ville. Et il s'agissait surtout de bals, de mascarades, dans les 4 places principales de la ville. Et le soir, on allumait des petites bougies pour permettre aux gens déguisés de danser dans les ruelles étroites du Vieux-Nice. Et puis, en 1830, au 19e siècle, le carnaval change. Il descend sur le cours Saint-Léguin, parce que cette année-là, 1830, arrive le roi de Piémont-Sardaigne, qui était le patron de Nice, et en son honneur, on fait un défilé avec des calèches et des gens déguisés. En 1860, arrive l'impératrice de Russie, qui vient passer l'hiver à Nice avec tout son entourage, et cela va complètement transformer le destin du carnaval niçois, qui va devenir à la fois le carnaval des Niçois, de la piétaille, mais aussi de l'élite, de tous ces riches hivernants étrangers qui s'amusaient follement à participer au carnaval et à faire ces prodigieuses batailles de confettis. Et ils le faisaient au cours Saint-Léguin, notamment tout autour de la place de la préfecture, et du café littéraire Visconti. Et c'est de là que part le carnaval actuel, avec son défilé de chars et de grosses têtes. Ça va ? Et là, ne me le bouge plus, on ne va plus être bon. Et ça, c'est pour les troupes de rue, tout ça, on prépare des plateaux, parce qu'après, il y a des animations dessus et tout. Ah ouais ? Et que vous faites ou pas ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on en fait, hein. Ah. Il faut... Ne t'embête pas au millimètre, c'est pas... La pelouse, ça pousse de partout, hein. On ne voit pas la progression de la construction du char, mais c'est là où le travail est vraiment, vraiment conséquent et important, et il y a la passion derrière. C'est ce qui anime tout le monde, sinon ça sort pas, quoi. C'est sérieux, mais c'est ludique en même temps. La façon est sérieuse, mais la raison est ludique.
Oh, c'est l'ambiance, c'est la... En permanence, il y a 100 nouvelles choses à faire, c'est jamais pareil, c'est à chaque fois de nouveaux défis. Ouais. Et puis une ambiance particulière. Hein. C'est parce que ça permet d'être un petit peu plus fou que dans la vie courante. Et de permettre, par exemple, au niveau des costumes que nous venons, de faire des choses qui ne sont pas portables dans la vie. C'est une espèce de rêve. On peut aussi bien faire des monstres, des fantômes, que des petites fées, que des personnages imaginaires. Quand j'étais facteur, on faisait deux tournées dans la journée, matin et soir. Donc je finissais tard, je venais à 5h30, ma femme ne me voyait plus. J'étais déjà à Réquenay, en train de peindre les chars. Ah oui, dimanche, jour férié, la nuit et tout. Des fois, 2h du matin, j'étais encore là, puisqu'il fallait finir. Mais il m'est arrivé que le char du roi, il partait, et que je n'avais pas fini de peindre. J'étais sur le char que je peignais, et lui, il avançait le soir, il partait déjà. On les courait après, nous, pour peindre. C'est magique, voilà, ouais. C'est ça qui est intéressant. De créer, surtout, de créer, ouais. Parce que rire, ça fait... Et les gens, quand vous sortez votre char ou quoi, de voir comme ils sont contents et tout, pour nous, c'est notre plaisir. Hein. Notre... Moi, je suis né pour ça, alors. Tu n'es un mardi gras, hein, en plus, ne l'oubliez pas. Ah, ben alors là. C'est vrai? C'est vrai? Ah, ouais. Tu veux m'en aller là-dedans? Ah, moi, oui. Je veux m'en aller les pieds en avant de là-dedans. Hein. Oui, oui. Oui, c'est comme ça. Hein. Ben oui, ça nous met tous en joie. Moi, ça fait la quatrième année que je m'occupe du carnaval. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai qu'en 4 ans, j'ai attrapé un peu le virus, quoi. La préparation des chars s'accélère. Nous sommes à 45 jours du premier défilé. Johan Garcia est le plus jeune carnavalier niçois. À 22 ans, il incarne la génération montante de ces nouveaux artisans qui respectent la tradition tout en apportant des solutions techniques innovantes. Mes parents détestaient le carnaval. Ma mère, c'était le supplice de m'emmener une fois par an au carnaval. J'étais sur l'avenue Félix Faure. J'avais juste la tête qui dépassait derrière les barrières et dès que les chars passaient, on s'en allait vite. Je savais que je voulais faire ça. Elle n'a pas pu aller contre ma passion puisque c'était vraiment... Je faisais que ça, j'avais envahi la maison de chars miniatures, je travaillais sur la table du salon, j'avais la chambre, on ne pouvait plus mettre un pied devant l'autre, c'était des chars de partout, sur les tables, sur les étagères. Chaque année, je me fixais un thème donc, qui était différent du thème du carnaval officiel. Je développais une parade de 10, 15, 20 chars que j'exposais après chez les commerçants. Pour fabriquer ses maquettes, Johan s'est inspiré de cours qu'un carnavalier avait donné dans son école, alors qu'il n'était qu'en CP. Donc j'ai découvert plein de matériaux, j'ai utilisé des terres, de l'argile, de la terre glaise, j'ai même utilisé des produits complètement insolites, quoi, comme la pâte à fixe pour coller les posters sur les murs, pour faire des éléments de sculpture. Puis voilà, j'ai appris vraiment sur le tas, quoi. À l'âge de 17 ans, il reçoit une proposition d'un conseiller général d'un petit village de l'arrière-pays, construire un char grandeur nature. Et donc j'étais amené donc à partir de là, pour pouvoir monter ce char, à me rapprocher de Cédric, qui était le carnavalier dont je me sentais le plus proche, déjà par l'âge et par les discussions qu'on avait eues 2-3 fois quand je venais leur rendre visite dans le hangar avant le carnaval. Et donc je suis venu lui filer un coup de main au début, on a un peu parlé, et puis je suis resté finalement. Et au final, il m'a embauché et ça fait le 5e carnaval que je fais avec Cédric maintenant. Peu de gens vont dire dans le carnaval il y a de la création parce que personne ne s'en rend compte, mais on s'en rend pas non plus compte du travail des carnavaliers, ouais. De toute la chaîne que ça représente du début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie d'un char. Personne ne s'en rend compte. Et, pour eux, c'est tout à fait naturel de voir un char sortir, mais c'est un travail qui est ça part du 2D, du papier. Jusqu'au volume, jusqu'au 3D fini, quoi. Et c'est une véritable création. Ce qui manque un peu à Nice, et qu'on devrait avoir un peu plus, c'est que les gens viennent visiter, mais c'est difficile, vous voyez, dans les conditions où on travaille, mais parce qu'ils comprendraient mieux ce que c'est le carnaval. Parce que, ah oui, ouais, c'est du carton-pâte, non, mais vous le voyez vous-même ce que c'est le travail. Il y a de la ferrure, il y a de la soudure, il y a des tissus, il y a tout. Et on essaie toujours d'amener des nouveautés. Le peu de gens qui viennent ici, ils tombent des nues parce qu'ils ne pensent jamais ce que ça peut être le carnaval. L'idée qu'on a développée, c'est de créer un nouveau char pour la reine de la bataille des fleurs. C'est une structure un petit peu extravagante, avec un thème cette année, mettre la reine sur un pan. Techniquement, c'est très fort. C'est très fort et certains ne sont pas sûrs que... les Niçois soient capables de réaliser telle chose, et moi je dis que oui.
C'est un char qui va pouvoir pivoter sur place, aller de marche avant, marche arrière. Il va y avoir un machiniste à l'intérieur, dessus donc notre silhouette de pan. Et sur la silhouette, assis en Amazon, on va retrouver l'arène Carnaval. Chaque roue est indépendante et a une motorisation indépendante. Ouais. Et ça sera manié par joystick. Ouais. Et en sécurité, bon, bah, y a deux freins à disque. Au fur et à mesure, il règle les problèmes techniques. Quoi. Enfin, c'est bien parti. Là. Il ne reste que 30 jours avant le premier défilé. Gérard est sculpteur, il réalise tous les personnages en polystyrène et nous présente sa dernière création. Le bas de la tête du roi. Ouais. Absolument, les morceaux, ça semble. Le char du roi qu'il sculpte sera le plus grand du carnaval. 14 mètres de haut sur une trentaine de long et des vérins hydrauliques qui feront bouger l'ensemble du personnage. Et après, elle ira sur le char à la fin, le dernier jour, puisqu'il n'y a pas la place en fait pour sous le toit pour mettre la tête. Dans un carnaval, il faut des chars, mais aussi des personnages vivants. Ces derniers sont habillés par Fabienne et son équipe de couturières. Et c'est extrêmement travaillé comme costume, non ? Cette année, oui. Ouais. Là, on travaille beaucoup, beaucoup la broderie, effectivement. On travaille énormément les appliqués. On a utilisé surtout beaucoup, beaucoup de matière. Vous avez une totale liberté dans les costumes ? Presque. Il y a des dessins, il y a des... Quelquefois, mais pas souvent. Pas souvent ? Pas souvent. Donc comme ça, c'est très bien parce que ça permet libre cours à l'imaginaire. Et puis bon, à une recherche quand même, parce que tout n'est pas pondu comme ça. C'est pas le bon Dieu qui vous envoie les choses toutes faites. Donc si vous ne travaillez pas un minimum sur les matières et sur de la documentation, bon ben... Il se passe rien. J'ai été mannequin pendant 25 ans. Oui. Et puis, l'âge venant, il faut faire autre chose. Ouais, moi je travaille à partir d'une maquette comme ça. Ouais. Que je coupe au fur et à mesure et avec ça j'ai mes plans. Comme ça. Et après, donc, tu fais tes dessins. Voilà. Alors, moi je me découpe, là je vais me faire ce niveau-là et savoir exactement ce que je dois faire. Ça fait 1m20. Chaque fois l'unité est d'1m20. Il y a une dernière hauteur, ça fait 4 fois 1m80. 4m80 plus une hauteur de menton en plus. Là. Ben, je vais faire mes plans, la suite des plans, le bas de la tête. Je continue. Alors, le plan est utile pour les gros volumes. Oui. Mais sinon, le reste, il n'y a pas de plan. Tous les autres têtes, il n'y a pas de plan. C'est fait, c'est fait comme ça. Il y a un profil, c'est tout. Hein. Je me sors un profil. Plus que 26 jours, les outils de Gérard sont nombreux. Ici, c'est au couteau qu'il affine les traits de cette tête. Non, moi je suis venu pour toute autre chose. Puis finalement, la vie niçoise m'a bien plu. Et nous, pourquoi ? J'avais monté une boîte d'informatique en 96, ouais. À l'époque de la bulle informatique. Puis... C'est bien être opportuniste, mais au bout d'un moment, c'était pas mon truc. Hein. Ordinateur. Donc, t'es informaticien ? Non, mais opportuniste, oui. Dans le sens, non, je faisais de l'image de synthèse. Donc, j'étais directeur artistique. J'avais monté une boîte et j'étais directeur artistique. Co-gérant et directeur artistique. Et ce que tu fais là, tu pourrais le faire sur un écran et sur un ordinateur ? Ah, complètement, c'est ce que je faisais plus ou moins. Hein. Presque, quand on voit les carreaux comme ça rappelle les maillages d'un modèle en 3D. Hein. On y est presque. Hein. Ouais. Donc la démarche est plus ou moins la même pour moi. Hein. Plus que 3 semaines, la tension monte et les carnavaliers commencent à avoir le trac. Ah ben on commence, hein. On commence. Non mais ça va, on a encore le temps. On est pas... ouais. De voir des choses qu'on ne devrait pas voir, c'est tout. On veut mettre un gros gros coup de bourre sur 2-3 chars, ouais. Qui, pour les préparer pour la peinture avant de repartir ensuite sur la sculpture des derniers. Ouais. Voilà. Faut qu'on avance parce que l'échéance se rapproche un petit peu.
Les petits chars de la bataille des fleurs s'assemblent. Les fleuristes, eux, découvrent les structures qu'ils devront décorer d'environ 4000 fleurs par élément. Relis-le à la main déjà. Mettez-le bon à la main. Plus que 15 jours, premier essai pour le char de la reine. Ah, c'est bien passé, nickel. Ça roule au top, ça roule. Alors, nickel. Bah, c'est bon. Maintenant, c'est bon, maintenant il revient pour la peinture. Ah, ouais, la peinture maintenant. Et la reine, elle a essayé quoi. La reine a essayé, ça a été impeccable et tout. Tout s'est vraiment bien passé. Ouais, 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 ouais. Comme quoi, on peut être carnavalier et pas avoir de problème. Non, le truc, on a pas besoin. Allez. Alors vous allez l'habiller comment? On va la peindre. Après l'habillage, ça sera les fleuristes qui s'en occuperont. Ah ouais? Ouais. Comme c'est la reine des fleurs quand même. Oh, tu tiens le mec. Ça a bien marché? Mais allez, hein. On a toujours la fleur. Le content? Il y a l'Allemagne. Le même jour, Gérard a fini la tête du roi. Eh, ça y est, faudra de plier, de nettoyer pour demain préparer le travail à la place aux autres. Qui vont grafter, qui vont poser le papier et qui vont finir le travail de la tête, l'animer pour l'animer. Ben, c'est content d'avoir fini dans les bons délais, parce que ça aussi que ça ne dure pas 3 semaines ou 4 semaines pour faire juste une pièce, il y a tout le reste à faire. Un gros travail pédagogique est fait par quelques enseignants sur les traditions niçoises et donc du carnaval. Les enfants de plusieurs écoles sont invités à participer au premier défilé. Et les chars sortent dehors, tu vois ? Le soir, du carnaval, c'est quand même quelque chose de très stressant. On se dit toujours, bon, on a 1200 enfants, on en prend 1200, on rentre 1200. J'ai un retour de la part des enfants, de la part des enseignants, de la part du public aussi, qui trouve toujours que cette soirée est la plus réussie de tout le carnaval. Donc malgré tout, c'est valorisant, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui participent. Donc c'est vraiment très agréable, quoi. J-14. Le travail de Gérard est loin d'être terminé. Il lui faut maintenant tailler des personnages plus petits, mais plus rapides à réaliser. Je dessine un profil, celui qui est sur le au carreau. Là. Tu vas le dessiner sur le je dessine le profil, et après on découpe au fil chaud le profil, face profil. Ouais, ouais. Ça me donne un volume, et à partir de là, je retravaille. Ça me fait un gain de temps énorme, quoi. Ça me permet d'avoir déjà les formes. Je n'ai pas besoin de les chercher en tronçonnant. Un fil d'acier porté à très haute température va découper les blocs de polystyrène. Allez. Que Gérard a préalablement préparé. Tu arrives au 20, c'est ça? Ouais. Bon, attends-moi, j'y suis pas encore. J'y suis. On y va? On y va. Rapidement, avec l'aide d'un stagiaire, le bloc prend forme. Bientôt, une tête encore grossière va apparaître. Et on va en fait ouvrir la boîte, tu mets dans... Alors c'est tout bête mais ça fait toujours un bel effet. Et en fait, il ne reste plus qu'un noyau central qui correspond à ce dont j'ai besoin pour travailler. Voilà, correspondrait un petit peu à ça. Une face et un profil. C'est le dernier préparatif, dernière mise au point. Il ne reste que 6 jours. Le char de la reine est bien fini.
Mais les inspections de sécurité remettent tout en cause. La famille Povigna au complet est rassemblée. C'est une remise en question de tout l'ensemble du travail. En effet, le vent souffle sur la promenade des Anglais d'une façon imprévisible. La météo est formelle, cela continuera. Il faut donc stabiliser un maximum les plus gros chars, dont celui du roi. J'étais tout à l'heure, justement, entre midi et deux, avec les carnavaliers qui sont en train de construire les chars juste à côté d'ici, hein, parce que vous savez que la maison des carnavaliers... Christian est l'un des caricaturistes qui participe au carnaval en tant que dessinateur. Il collabore en plus au programme de l'éducation nationale sur la culture régionale. Ainsi, il fait des interventions dans toutes les écoles niçoises et donne aux petits participants de la première nuit du carnaval des conseils pour la création de leurs déguisements et les informe de l'avancée des créations des carnavaliers. Cela fait 3 mois que les classes volontaires travaillent régulièrement à leur spectacle. Les enfants sont enthousiastes. Ils prennent plaisir à répéter les danses et les chants et réalisent à l'aide de leurs professeurs t-shirts et coiffes qu'ils porteront le premier jour. Vu comme cette tête est grande par rapport à la taille du corps. Les carnavaliers, quand ils ont construit le char, ils ont encore accentué cette disproportion, c'est-à-dire ils ont fait vraiment une tête très très grande par rapport au corps. Alors ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais la tête va faire 5 mètres de haut. 5 mètres de haut, en gros, c'est 1,5 fois la classe. Subir simplement un carnaval sans en être les acteurs et sans voir le travail que ça suppose derrière, ce serait un peu dommage. Oui. Donc c'est là, c'est les spectateurs de demain, hein, c'est eux qui vont grandir. C'est eux, c'est une tradition. Il faut expliquer les traditions et les maintenir. Désormais, tous les chars ont pris forme, mais il y a toujours des transformations de dernière minute. Jusqu'à samedi, hein. Samedi, le roi, non, vendredi. Vendredi, hein. Ouais. Donc un jour et demi, quoi. Ouais, un jour et demi. C'est le dernier jour. Les fleurs arrivent de toute la région par camions entiers pour la bataille finale. Il faudra compter plus de 100 000 fleurs par défilé, appliquées sur 20 chars de 7 mètres de long sur 2 de large. Ah oui, mais c'est comme je ne suis pas assez grande, moi. Il faut que je joue avec l'avant et l'arrière. Ah, et c'est pas toujours le plus facile. Ah oui, ça c'est pas évident. Ça. Alors, allez. Alors, tu vas te mettre là. Parce que tu vas peut-être tout tenir les fleurs si j'arrive à la tourner. Attends, hein. T'es pas gagné encore. Hein. Oui. Regarde un peu dans la balle. Parce que si elle tombe, après je suis embêté. Hop là, c'est bon. Le char de la reine est arrivé. Il est prêt à être décoré. Mais avant, une dernière répétition s'impose. C'est pour le char de la reine ? C'est pour le char de la reine, oui. Pour qu'elle puisse se tenir. C'est le jour J. Une angoisse diffuse s'empare des concepteurs. Que va penser le public de leur réalisation ? Bonjour. Toutes ces machineries vont-elles marcher ? Jusqu'à la dernière heure, ils inspectent tous les mécanismes, toutes les peintures. Il faut que le défilé soit parfait. Non, je suis ravie parce qu'en plus avec les fleurs c'est magnifié et puis voilà quoi, c'est 4 mois de boulot qui aboutit, c'est vraiment bien, je suis heureuse là, ouais, je suis vraiment contente. La fête tant attendue et tant répétée est enfin là. Il a fallu presque 6 mois de préparation pour la concevoir. Voilà. Ceux qui sont dans les tribunes, restez surtout debout. Ceux qui sont déjà debout, ne vous asseyez pas. On va faire un bis.
bon. Maintenant, tous n'attendent qu'une chose, c'est l'annonce du prochain thème du carnaval. Ils pourront alors imaginer des chars et des costumes toujours plus fous pour être une nouvelle fois transportés dans l'univers magique de la passion et de la création.